Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo Nail Art où j'ai décidé de faire des petits papillons. Vous les verrez plus proches dans cette vidéo. Mais dans tous les cas, c'est une vidéo qui me tenait à cœur, ces petits papillons. Ça faisait un moment que je voulais les faire. Donc c'est parti, je vous laisse découvrir dans la vidéo comment j'ai procédé. C'est parti! Je vous montre la belle petite boîte que j'ai commandée sur Amazon. Je vous mets le lien en bio de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir en dessous. Donc cliquez sur en savoir plus et vous allez voir le lien donc de la boîte de peinture que j'ai pu acheter sur Amazon. Donc c'est une boîte où il y a vraiment de tout en couleur, là vous n'allez manquer de rien. Donc c'est de la couleur acrylique, c'est de la couleur qui se mélange légèrement à l'eau et qui sèche à l'air libre. Donc il y a de tout et c'est des petits récipients de 30 ml, donc c'est vraiment énorme. Je vous conseille de bien refermer la boîte une fois que vous n'en avez plus l'utilité parce que ça peut sécher. Donc je vous conseille aussi de prendre les couleurs que vous avez besoin pour votre nail art et de refermer la boîte tout de suite après. Aujourd'hui pour la vidéo, je vais vous montrer comment conserver la peinture le plus longtemps possible dans la journée pour faire votre nail art. Donc prenez tout simplement une soucoupe, une boîte à tartines ou quoi que ce soit, un récipient où vous pouvez mettre de l'eau plutôt à plat. Je vais y mettre donc un petit peu d'eau, un Scotex, donc un Scotex, un Kleenex, ça dépend le pays où vous êtes, un mouchoir si vous voulez qui est absorbant, on va le plier et on va le mettre donc sur l'eau. Ça va absorber donc cette eau et ça va garder de l'humidité. Au-dessus, je vais y mettre un papier cuisson, donc un papier pour le four, un papier pizza. Je ne sais pas comment vous l'appelez à la maison, mais un papier cuisson qui va tenir l'humidité en dessous sans spécialement percer. Et donc, je vais pouvoir dessus y placer ma peinture et elle va rester dans l'humidité et elle ne va pas sécher tout de suite. C'est ça l'idéal, j'ai pu garder ma peinture jusqu'au lendemain sans problème. Donc je vous conseille aussi, si vous voulez la garder plus longtemps, c'est une boîte donc hermétique, une boîte à tartines, un tupperware, et du coup vous pouvez refermer celle-ci et la peinture, vous allez la garder donc très longtemps. Je vous montre les références que j'ai prises sur ce petit papier, donc si vous achetez les mêmes peintures que moi, vous allez trouver les mêmes références bien évidemment. Si vous avez des peintures primaires, vous pouvez les mélanger l'une à l'autre tout simplement pour avoir les couleurs que vous souhaitez. Donc sur un tip, je vais commencer par buffer avec mon buffer doux et je vais vous montrer les produits que nous aurons besoin, donc la Flash Shine, la Soft Touch. Nous aurons besoin également du gel paint noché, donc c'est du noir. Alors tout simplement pour en mettre au-dessus du papillon, vous allez voir pourquoi je l'utilise. La couleur casual, c'est la couleur que j'ai utilisée de fond. Donc je commence par mettre deux couches sur le petit tips et je catalyse 60 secondes. J'enlève le résidu collant grâce à du cleaner et un coton. Et on va pouvoir matifier pour faire le petit nail art. Donc soit vous allez matifier au buffer comme ici, soit vous pouvez largement matifier aussi à la finition soft touch. Donc à ce moment-là, vous pouvez mettre une couche de finition soft touch, la catalyser et on commence le nail art. Donc avec le pinceau DKR 13 de chez Roubloff, un pinceau un peu plus épais et un pinceau plus fin. Donc comme je vous ai expliqué ici, vous pouvez donc utiliser le buffer ou la soft touch. Et on va humidifier la peinture, donc je prends le pinceau que je trempe dans l'eau et je viens donc humidifier ma peinture pour la rendre encore plus souple et plus fluide. Avec le fin pinceau, je vais commencer à faire le corps du papillon, donc je commence toujours par le milieu et puis je vais faire les contours et je vais faire l'inclinaison du papillon. Donc ce qui est très important, c'est de déterminer la forme de celui-là. Donc d'abord je fais le petit corps, puis je fais le milieu. Donc je fais les petites ailes, je choisis la direction des petites ailes, je n'hésite pas à faire des repères avec des points pour avoir plus facile visuellement à relier mes lignes. Donc je travaille vraiment avec la pointe du pinceau et très peu de matière pour avoir des lignes très fines. Il ne faut pas que ces lignes soient trop opaques. N'hésitez pas, c'est juste un repère. Il ne faut pas qu'on les voit à travers la peinture suivante que l'on va mettre. Donc c'est pour ça que j'utilise aussi la couleur plutôt brune sépia que réellement du noir pour éviter de trop marquer le nail art. Et je ne vais pas savoir après masquer avec les couleurs par-dessus. Donc ici, on continue les petits repères, les petits contours, ce qui va être le plus important, qui va déterminer vraiment le papillon. N'hésitez pas à prendre des points de repère pour surligner vos lignes l'une à l'autre. Je parle en même temps et je suis absorbée par le nail art, donc voilà.
J'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo. J'adore faire ce style de nail art, mais je n'aime pas le filmer. Donc je prends la peinture jaune et le vert plus clair et je les mélange l'une à l'autre. On va bien humidifier la peinture et on va remplir les pétales, enfin c'est comme une pétale, les ailes on va dire, de, du papillon. On remplit, on met une couche partout et on laisse sécher pour faire la deuxième couche. Après l'application de la deuxième couche de couleur, je laisse sécher encore une dizaine de minutes pour être sûre et j'applique ma finition Soft Touch. Je la catalyse 60 secondes et là je prends le pinceau toujours le plus large, je le mets dans la peinture noire que je vais bien hydrater, donc je vais bien la diluer avec l'eau. Et on va travailler plutôt comme le style d'aquarelle. Donc je viens de déposer une goutte d'eau que je fais voyager tout simplement pour créer des ombres. Donc c'est un peu plus complexe cette technique, mais c'est à travailler, je vous assure. Si vous avez l'habitude par contre avec de l'aquarelle, ben, n'hésitez pas à prendre votre aquarelle pour ce détail. Mais c'est tout à fait faisable avec de l'acrylique également. Alors par-dessous, j'ai remis la finition Soft Touch, c'est tout simplement pour éviter que mon noir se diffuse trop et se mélange trop avec le jaune par-dessous. Parce qu'en fait, si je ne mets pas la finition Soft Touch entre eux, les deux couleurs vont se mélanger et ça va faire fort paquet. Donc ici, les ombrés sont terminés, ils sont secs et avec la pointe de mon pinceau et de la couleur noire un peu moins diluée, je vais créer tous mes contours et tous les détails qui sont un peu plus foncés, un peu plus noirs. Donc c'est vraiment à vous de faire, de commencer par le plus clair et de terminer par les étapes de plus en plus foncées dans votre nail art. Ça va donner beaucoup plus de relief et beaucoup plus de lumière à celui-ci. Donc je n'hésite pas à repasser sur le corps. Je vais aussi repasser sur les petites antennes, mais juste à côté du trait que j'ai fait, comme ça le trait du bas crée une ombre plutôt que de repasser directement dessus, ça va créer une petite ombre. Alentour du papillon, je vais aussi créer des petites taches avec la couleur sépia, mais ça vous le verrez plus loin dans la vidéo. Ici on va directement faire les petites lignes noires, donc tous les petits détails qu'il y a dans les ailes du papillon. Donc là j'ai pris le pinceau beaucoup plus fin, donc le pinceau plutôt détail, et toujours sur la pointe de mon pinceau je vais créer ces petites lignes. Donc plus vous voulez des lignes fines, plus il va falloir travailler avec la pointe du pinceau. Et la peinture, donc n'hésitez pas à tout simplement un peu moins la diluer. Il faudra toujours la diluer parce que sinon elle va sécher et vous n'allez pas réussir à marquer sur la capsule. Mais il ne faut pas trop la diluer pour ne pas qu'elle soit trop transparente et qu'elle marque bien. Donc travaillez votre peinture sur un aspect mat, c'est ce qui fera qu'elle va adhérer. Si c'est brillant, ça ne va pas adhérer. Donc là je fais les petites taches en sépia, donc je dilue bien ma peinture et je vais venir faire de petits ombrés alentours légers pour vraiment faire ressortir le papillon. Alors votre peinture, je disais, si vous ne la travaillez pas sur un aspect mat, elle va glisser et elle ne va pas tenir et elle risque de ne pas sécher. On attend que le tout sèche encore quelques minutes, ça sèche assez vite, hein. Tantôt j'ai dit 10 minutes mais ça sèche beaucoup plus vite que ça, ne vous inquiétez pas. Et par-dessus, je remets ma Soft Touch partout. Ici, j'applique le paint black, donc le gel noir. Et on va repasser sur quelques détails par-dessus la Soft Touch qui a été catalysée. On va faire les petits détails un peu zébrés, animaliers au-dessus. J'adore, c'est magnifique sur le papillon. J'ai trop kiffé faire ce nail art. D'ailleurs, j'ai envie d'en faire en plein de couleurs. À mon avis, je vais vous en faire. Vous reverrez d'autres photos avec d'autres couleurs sur Instagram, ça c'est sûr. Je vais essayer aussi avec d'autres matières. Le principe du papillon reste le même. Là, je voulais faire en peinture, mais je peux autant le faire tout à fait en aquarelle que je peux autant le faire en gel paint. Donc, j'en ferai sûrement d'autres qui sont sûrement faits en gel paint où je vais tester ces nouveaux gel paint qu'on a en tube. Voilà, le nail art est terminé une fois que vous avez catalysé votre gel paint 60 secondes sous la lampe. Et voilà,
la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit émoticône papillon si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas aussi à m'identifier sur les réseaux, sur Instagram par exemple. Voici mon compte Insta. N'hésite pas à m'identifier si tu reproduis ce nail art. Ça me ferait un plaisir de venir te laisser un commentaire. N'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt.